Salut à tous, aujourd'hui on va vous présenter un petit filtre de protection pour votre smartphone. Vous voyez là, hop, il n'y a pas. Là, je vais vous montrer comment je vais le poser, sans faire de conneries. Alors là je vous montre la petite marque que c'est. Il faut compter 3 ou 4 euros pour acheter. Voilà, il a un petit poussière, un petit truc, tout. Vous voyez, c'est un petit filtre spécial. Alors faites gaffe parce qu'il n'y en a qu'un dedans. Alors ça, hop, voilà la petite pochette qu'il y a avec. Voilà, je vais vous montrer comment il faut faire, c'est pour l'enlever. Là, il y a tout ce qu'il faut pour nettoyer l'écran, tout avant. Et le petit carton qui sert à enlever les petites marques, tout ça, vous allez voir. Hop, on va voir de suite ce qu'il y a dedans. Hop. Voilà le petit carton qui va avec en principe. Le petit chiffon qui est avec. Voilà, pour nettoyer l'écran. Avant, vous enlevez de la poussière, tout. Pour pas qu'il bulle surtout. Et en principe, il y a un petit carton à l'intérieur. Eh ben non, il n'y en a pas. On n'a pas de chance. Il n'y a pas de petit carton. Il va falloir tout faire avec ça. Hop. Alors le mieux, c'est de faire avec ça quand même. Parce que si vous avez fait le petit carton, vous risquez d'avoir beaucoup de bulles sur l'écran. C'est pas évident. Hop, je vois ce que c'est ça. Non, ça n'a rien à voir. Alors maintenant, le plus délicat, c'est mettre ça, qui est le plus chiant à mettre. Alors, comment on l'enlève déjà? Ils ont tellement mis de protection que pour pas qu'on l'abîme, que je vais m'emmerder pour l'enlever. Je pense. Non, non, c'est bon. Vous voyez, il est comme ça. Il est bien large et tout. Alors pour l'enlever, c'est toujours le délicat. Toujours regarder dans le sens que vous allez le mettre. Hop, je vais le mettre comme ça. Toujours passer un coup avant pour bien enlever les petites merdes qui vont faire des bulles, de poussière. Ne jamais mettre sur la poussière par contre. Alors si vous faites ça, vous êtes mal barré. Alors là on va bien rigoler parce que maintenant il faut que je l'attrape entre les deux milieux, et là c'est le plus dur parce que j'ai pas ce qu'il faut pour l'attraper. J'ai enlevé le premier. Alors faut pas se tromper, faut pas mettre surtout celui-là que j'ai à droite, hein. J'en connais qui l'ont déjà mis comme ça, ils se sont gourés. Hop, en principe il y en a un autre. Hop, de l'autre côté, je sais pas s'il y en a un autre là, on dirait pas. Je vais regarder encore au cas où. Non, il n'y en a pas d'autre, on dirait. Voilà, ça colle. J'avais bien le poser. Hop là. Hop. Voilà, en principe c'est bon. Là, il faut vite le poser. Hop, pour enlever les bulles, toujours la merde. Oh putain, il s'est allumé en plus, l'appareil. Comment ça s'éteint, l'appareil? Voilà. J'ai pas l'habitude parce que comme c'est pas mon appareil, hop, je vais enlever les bulles. Alors les bulles, c'est le plus chiant parce que vous voyez, même si vous faites tout ce qu'il faut, vous en aurez quand même. Voilà, je vous remonte comment c'est. Alors c'est pas évident à mettre, je vous conseille. Hop, je vous remets de la marque vite fait. Voilà, Extreme Class, HD33 Protector. Voilà. Par contre, c'est pas écrit en français, c'est écrit en anglais et en allemand. Voilà, comme je vous dis, ça coûte entre 5 et 4 euros. Bon, c'est pas donné, mais surtout ne vous ratez pas quand vous allez le poser parce que ça va être délicat à mettre. Voilà, je vous montre à peu près vite fait comment il est mis. Voilà. Bon, là, j'ai pas enlevé les deux petites bulles. Je vais les enlever maintenant. Allez, je vous dis à plus. Ciao.